Salut tout le monde, c'est nous. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la série FNAF, donc Five Nights at Freddy's, avec quelques goodies techniquement. Bon, c'est pas, ça casse pas un pied à un canard, je sais plus l'expression, on s'en fout, mais c'est un petit unboxing histoire de dire, et donc de, comme ça vous pouvez voir ce qui va apparaître dans les vidéos Five Nights at Freddy's prochainement. D'abord on a deux petits colis qui sont collés entre eux. Donc ça je pense savoir ce que c'est, mais on va quand même regarder. Hop, ok, donc c'est ça. En gros c'est des espèces de petits stickers que je pensais mettre derrière. Je sais pas trop comment je vais les disposer, mais trouver un petit arrangement pour que ça fasse pas trop dégueulasse. On a d'abord une tête de Springtrap. On a pareil un petit sticker de Golden Freddy, donc avec bah, du coup le bonnet noir cette fois-ci. On a les quatre, voilà, les quatre basiques, donc Chica, Bonnie, Freddy et Foxy. Donc à la base ça c'est assez petit. On a Mangle aussi, Mangle comme ça, sympa hein, pas mal du tout. Celle-ci elle est assez jolie, assez bien faite, c'est sympa. Ensuite on a Bonnie, donc avec une phrase, c'est Power Left 0%. Donc voilà, c'est quand la caméra n'a plus de batterie, qu'on n'a plus de, enfin, plus de pouvoir, et que du coup on risque de se faire tuer parce qu'on peut plus fermer les portes aux animatronics. Ensuite on a encore Golden Freddy avec une phrase qui c'est Stay Golden. Donc pareil, c'est très très emblématique. Ensuite on a Nightmare Freddy. Donc pareil, c'est alors ça c'est dans le 4 il me semble, donc avec l'espèce de petits petits Freddy assez casse-pieds. On a ensuite la fameuse peluche de Foxy, donc The Pirate, voilà. Aïe aïe aïe. Lui c'est The Pirate et moi c'est The Fail. Donc ok, ça c'est bon. Ensuite on a une avec tout le monde. Voilà, il y a un peu tout le monde, donc Mangle, Freddy, Chica, Bonnie, les anciennes versions et les nouvelles, enfin bon. On a tout un petit beau monde, donc dans un cadre. Ensuite, on a I Survived Five Nights at Freddy's, donc avec Bonnie, voilà, y a, Bonnie, Freddy, n'importe quoi. Et ensuite, on a 1, 2, Foxy. Ensuite, on en a un autre, du coup, tout petit, on va l'ouvrir. Donc c'est encore des stickers, visiblement, donc pareil, encore un petit lot. Ça coûte pas super cher. J'ai acheté ça sur Wish, hein, si ça vous intéresse. Donc bah foncièrement c'est le genre de truc que tu trouves pas forcément en officiel. Il y a pas mal de trucs comme ça que tu trouves pas en officiel et que ils font. Et du coup bah c'est toujours sympa d'avoir quelques séries. Ok, donc ensuite donc on en a un avec bah voilà pareil toute la clique, les quatre principaux. Donc ça c'est assez sympa. On a un avec Freddy, assez classique, le même type avec Bonnie, comme ça. Voilà, on a, oula, on a exactement la même avec Bonnie et Old Bonnie, donc dans le 2. Voilà, on a également Chica, Mangle, très sympa celui-là, je l'aime beaucoup. Là c'est, alors je crois que c'est, ouais, c'est encore Golden Freddy, mais dans le 3, c'est-à-dire quand il a bien bien pourri. Ensuite on a Nightmare Bonnie, après c'est des fanarts aussi, donc des fois c'est un peu compliqué. On a Freddy, mais il est pas top, hein. J'aime pas trop. Et on a I've met Foxy at Five Nights. Non, Freddy Fazbear's Pizza. Ok. Donc c'est un peu le même style que l'autre, mais avec Foxy dessus. Et on en a un autre avec Bonnie. Voilà, comme ça. Ensuite, on a un autre petit colis qui se présente comme ceci. Donc il est assez petit, assez classique. Donc on va regarder ce qu'on a dedans. Sors. Ok, c'est bon. Alors, c'est une figurine pop, hein, visiblement, mais bon, ça je m'en doutais un peu. Donc, on a Ballora, donc de Sister Location, qui est le cinquième. Voilà, et donc en fait, si j'ai pris Ballora, c'est ce que je vais vous montrer, même si vous l'avez déjà vu normalement, mais je vais vous le montrer. Aïe, rip, Ram est tombée, la pauvre Ram. Du coup, en fait, j'ai Freddy déjà. Donc, j'ai Freddy comme ceci, et j'ai également Foxy de la même série. Je vous les ai déjà montrés, mais bon. Sait-on jamais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc là j'ai décidé de prendre Ballora tout simplement. Et genre son rouge à lèvres, on dirait une moustache. C'est assez perturbant, très très perturbant même. Et donc il me manque Baby que je pense me prendre en février. On va la mettre derrière. Et on a un dernier petit colis donc qui est noir, assez classique, qui vient pareil de Wish. Non, de AliExpress celui-là, mais c'est la même chose. Ok, donc c'est des petites lunettes de Bonnie, voilà, tout simplement de Bonnie. J'ai décidé de prendre Bonnie, il y avait plusieurs, il y avait Freddy, Chica ou Foxy, mais Bonnie parce que, bref, j'ai un projet de faire un décor totalement Five Nights at Freddy's, ça je vous l'ai déjà expliqué, et il y a pas mal de trucs, j'ai un bonnet aussi qui va arriver, un bonnet Foxy, et il y a aussi des peluches, plein de trucs, et disons que Bonnie c'est en peluche, etc, c'est celui qui me plaît le moins, donc je me suis dit, les lunettes, vu qu'elles sont stylées avec Bonnie, bah autant les prendre, voilà. Alors est-ce que ça me va bien? J'ai l'impression que j'ai l'air vraiment con. En plus on voit rien, du coup pour jouer il va falloir peut-être genre je fasse un truc comme As, tu vois. Genre ouais, let's go, wouhou. Hey bitch, c'est pas moi, je suis un thug, j'ai des lunettes Bonnie. Tu peux
pop test. Enfin bref, trêve de présenterie, bah c'est tout. C'était un petit unboxing, mais j'avais envie de vous le faire parce que c'est cool Final Fantasy. Du coup, en plus ça me fait une petite vidéo, petit montage, faut l'avouer, ça peut s'upload assez vite, ce qui fait que je peux bosser derrière sur une vidéo plus longue, vidéo plus travaillée et garder quand même un rythme, puisque je pense que vous l'avez vu, j'essaie de retrouver un rythme pour retrouver la croissance que j'avais auparavant. Cet été c'était un truc de dingue, ça montait super vite et dès que j'ai arrêté forcément ça c'est devenu décroissant. Bref, peu importe, du coup j'espère que ça vous aura plu, donnez-moi votre avis dans les commentaires, lâchez un like, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao ciao.